Ok, donc j'espère que vous allez bien ici Auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Raft et aujourd'hui je vais vous présenter les différents objets de Utopia. Donc on est parti, donc nous avons l'épée qui est vraiment stylée, qui nous donne l'air d'un peu d'un pirate. Je pense que du coup, même c'est sûr, les outils et tout ça, ils ont beaucoup plus de dura. Et ils doivent avoir aussi une meilleure attaque. Donc voici le style. Le style aussi du crochet qui est vraiment vraiment stylé. La hache. Ensuite, nous avons la poulie électrique. Nous avons les flèches en titane. Et aussi, nous avons la tête d'alpha qui est le boss qui se trouve ici. Qui est mort, du coup. Donc, les flèches. Merde. Là, par contre, ça, je vais ramasser. Voilà. Donc voilà, on peut les récupérer, tant mieux. On verra plus tard peut-être quels sont les dégâts. Et la poulie électronique, alors là, électrique, elle est juste incroyable. Normalement, par exemple, on va utiliser ça. Regardez, là j'arrive pas, hein. Je suis obligé de faire ça. Voilà, pour essayer de grimper. Voilà, il y a un petit bug. Voilà, je suis obligé de sauter, de... Hop là, hop, 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 hop. Donc c'est pas ouf, hein. Mais si par contre, je mets celle en électrique, je peux monter, descendre. Donc pour Caravan Town, l'île où il y a des facochères et tout ça, où il y a plein de caravanes. Et bah vous pouvez grimper facilement et tout ça. Donc c'est sûr que si là vous commencez et vous voulez avoir le truc, vous pouvez pas. Hein. Vous êtes à Caravan Town là et vous pouvez pas. Hein. Vous devez quand même essayer de craft bah, la basique. Hein. Mais quand vous aurez fini le jeu, ensuite vous pourrez refaire si vous voulez Caravan Town. Et là, plus tranquillement, plus simplement. Donc voilà. On va quand même, ouais, je vais mettre quand même celle-là, ça voilà. Nous avons le sac à dos qui rajoute une 5 places. Et du coup, on va prendre juste une. On va placer la tête. Alors. Ici par exemple. Magnifique. Magnifique. Donc voilà. Parfait. Donc ensuite nous avons aussi ça. C'est des herbes aromatiques pour votre cuisine. Donc ça c'est des herbes, donc c'est pas des graines. Ok. Ok. Outils en titane, poulie et grand sac à dos. Ok. Ok. Donc globalement, normalement, j'ai fini. Tout ça, il n'y a plus rien à apprendre. Les derniers trucs, c'était tout ce qui est en titane, hein. Donc voilà, hein, ça coûte assez cher les titanes, n'empêche. Mais il y a plusieurs techniques de farm qui sont assez simples à mettre en place. Hop, donc voilà. Donc je sais pas comment je vais continuer l'aventure. Parce que je pourrais essayer de chercher les tortues et tout ça, mais... Et je sais pas où elles sont. J'ai pas le timing. On va voir aussi avec l'arc, du coup, combien il fait. Ouais, je ramasse maintenant celui-là. Bon. Ok, ça fait 3, 4 vraies flèches, il me semble. Ok, voilà, elle est tombée dans les abysses. Ok, oh ouais, il faut pas non plus énormément. Allez, fais vite avant que je crève. Voilà, il en faut pas non plus. Ok,
FPS, donc ça augmente les dégâts. Donc nous on va du coup déjà s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'est hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao.